T'es plus grand que lui, il est petit, t'as la longe, gauche, droite, tu vas le chercher, c'est facile, c'est à ta portée. T'es mort. C'est pas vrai. C'est lui, il est petit, il est jaloux. Toi, t'es grand, t'es beau gosse. Regarde, il est moche, gauche, droite. Allez, c'est le moment, tu vas me montrer que t'es un bonhomme. Tu m'avais pas parlé d'une initiation à la boxe, tranquille, il y avait pas d'histoire de combat, là. En plus, il est énervé de fou, là. T'es mort, je vais te tuer aujourd'hui. Tu me fais pas confiance? Non. Je vais le massacrer. Non, mais ça va. Moi, je suis déçu, je suis saoulé. L'être humain, il est mauvais. Il vient, il te sollicite, après, il se chie dessus, tu bégayes. Regarde-le. Regarde-moi. Déjà, tu vois, moi, quand je suis debout, j'ai besoin d'une béquille, tu vois. Du coup, ça me fait une seule main de libre. Je dis pas, si j'avais les deux mains de libre, tu vois, j'aurais pu le niquer. Là, mais là, je crois que c'est pas équilibré. On a tous des points forts, des points faibles. Toi, t'as un point faible, il a des points forts, c'est des abdos de malade. Entre ces points forts, il y a des points faibles, il y a un petit espace. Toi, avec ta main faible, tu rentres dans son point faible et tel un ostéopathe, t'attrapes son foie. Tu le presses, il va être fragilisé, tu l'attrapes. Coup de béquille dans les chevilles. Pas de béquille, la béquille, tu vas voir où elle va finir. Chanteur, pas chanteur, t'es mort aujourd'hui. Pourquoi il est énervé contre moi comme ça? Moi, j'avoue, c'est ma faute. En fait, j'ai juste dit que t'avais dit de sa mère, que c'était un brocoli. Alors comme ça, non, ma mère... Non, j'ai pas dit ça. Ma mère, dit... c'est un brocoli. Non, j'ai dit ta mère, c'est du fenouil. Ta mère, c'est une soupe de légumes. Ta mère, tout le monde, il va touiller. Oui, faudra assumer. Ouais, on va la boire, ta mère. Aujourd'hui, vous allez assumer vos on paroles. On va faire un pot au feu. Aujourd'hui, vous allez assumer vos paroles. Ta mère, c'est Jean-Claude Van Damme. C'est lui qui l'a dit. J'ai rien dit de tout ça. Pourquoi tu fais ça? Bah, tu sais quoi, je fais rien du tout. Voilà. Ouais, tu mets toujours dans tes embrouilles. Vas-y, je fais rien. C'est moi, je te dis la vérité. Non, en fait, j'ai parié. J'ai parié que tu perdais au 8e round. Oh non. Non, j'ai fait. C'est pas pour moi. Oh, t'es une galère. J'ai fait pour Popouna. Tu connais ma deuxième fille, oui, tu connais. Poupouna. Eh ben moi, je veux qu'elle aille à Harvard. Tu sais, les prix d'Harvard, c'est très très cher. J'ai fait ce pari pour pouvoir payer une scolarité décente à ma fille. Sinon, si c'est pas ça, c'est école buissonnière. La petite, elle va se droguer, crack, elle va danser sur du crunk, elle va twerker. Tu veux ça pour elle? Tu veux qu'elle finisse sur TikTok? Non, la petite, elle va sombrer. Je sais comment ça va très très vite. Tu ouvres un compte Instagram, tu finis dans les anges de la télé-réalité ou les Marseillais à Dubaï. Pire que ça, faire des swipe up avec des codes promo. Tata, t'es chiant. À la limite, tu m'aurais dit, tiens, 3-4 rounds. Tu vois, je peux essayer de le feinter, mais 8 rounds, regarde. Comment il est ouf? Ah, viens, c'est maintenant. Wow. Viens. Eh, hey, c'est mort. Vas-y, salut. Eh, hey, t'as parié. C'est toi qui te bats. Vas-y, tu te bats. Moi, je te coach. Vas-y, je te coach. Viens, on va assumer. On va voir. Viens. Putain, Redouane, tu m'entends, Redouane? C'est ici l'initiation à la boxe? Non, en fait, ouais, écoute, je t'explique. Non, mais dis rien, c'est bon, je crois que j'ai capté. Il nous a dit que c'était une initiation. En fait, il a organisé un vrai combat, il a parié tout son oseille et il fait croire que c'est pour les études de Popouna. T'es là, toi aussi? Voilà. Je vais te monter en l'air. Ma mère, c'est une courgette. Tu vas dormir à côté de lui, tu vas voir. Normal, il a dit à l'autre qu'on avait parlé sur sa mère pour bien faire monter la sauce, donc lui, il veut me niquer. T'as compris. Voilà, bon, je vais y aller en courant. Hein. Ouais, je crois. Ça te dérange si je t'attends pas? Pas du tout.